Oui, mon amour. Ne t'inquiète pas, Papy Pedro sera toujours avec toi. Il te regardera depuis le ciel. Non, mais maintenant, Papy est là. Et ça, je te le jure. Mon amour. Écoute, ton Papy Pedro était vraiment très très malade. Vraiment, vraiment. Et il n'est pas ici parce qu'il est avec Dieu, tu comprends? Mon cœur. Mais non, maman chérie, je t'assure qu'il n'est pas avec Dieu. Regarde, il est là. Frijolito, ne me montre pas. Parce que ta maman, elle, elle ne peut pas me voir. Pourquoi elle peut pas te voir? Oui, je te vois, mon cœur. Non, mais tu vois, mon papy Pedro m'a dit que toi, tu ne pouvais pas le voir. Frijolito, tu sais que seuls les enfants peuvent voir les anges. Ah! Mon amour, tu te souviens que Wesito est allé au ciel des chiens? Oui. Eh bien, ton papy Pedro, il est allé au ciel des raconteurs d'histoires. Bah oui. Et mon papy Pedro m'a raconté qu'il a été le premier astronaute mexicain à aller sur la Lune. Il a dû faire un long voyage. Ça, c'était une histoire. Ton papy Pedro n'est jamais allé sur la Lune. Dis-moi, papy Pedro, donc tu n'es jamais allé sur la Lune? Ah, mon petit Frijolito. Quoi? Quoi de quoi? Non, je parle avec papy Pedro. Pourquoi tu dis que ton papy Pedro t'a appelé? Frijolito. Chut. Excuse-moi, oui, maman chérie, mais c'est que mon papy Pedro dit que... que je ne peux pas te dire qu'il est bien là. Monseigneur, cet enfant va me demander beaucoup de travail en tant qu'ange. Frijolito, mon cœur, je ne veux pas que tu répètes devant mamie que tu vois ton papy Pedro. Mais pourquoi pas, maman? Parce que je suis ta maman et tu dois faire ce que je te dis, sans poser autant de questions. Et dis-moi pourquoi je ne peux pas te poser autant de questions alors? Parce que je suis très triste. Ton papy Pedro est mort. En fait, mon papy Pedro est devenu un ange. Tu sais qu'il va veiller sur moi et sur Tonio? Oui, mon garçon. Ton papy est un ange. Parce que c'était un homme bon. Et les gens qui sont bons deviennent de beaux anges. Hé, hey, papy Pedro, t'entends? Est-ce que tu peux jouer de la trompette maintenant? Oui. Vous avez vu? Vous avez vu quel joli petit garçon adorable j'ai? Oh non, mais vraiment, on voit que c'est un petit gars. On doit l'appeler Juan, comme le grand-père. Oui, regarde, regarde, mon vieux, la taille qu'il a. Oui, c'est le nombril, Juan, le nombril. Mais non, sapristi, cet enfant doit s'appeler Juan Tenorio II. Oh mon vieux, merci. Merci, mais... merci de m'avoir donné ce petit-fils. Je ne suis pas le véritable père, Juan. Comment ça? Il te ressemble. Regarde, regarde sa petite tête d'ange, hein, Rosita? Papa, tu peux te taire, s'il te plaît? Tu n'arrêtes pas de parler depuis qu'il est parmi nous. C'est qu'il est né au Frijol. Il est né au Frijol. Il est né au Frijol. C'est bon, ça suffit. Nous savons qu'il est né au Frijol, papa. Mais tu ne comprends pas? Tu ne comprends pas? C'est un signe des dieux, car mon petit-fils sera un artiste. Il sera un mariachi comme son papy et son papa. Ah. Le papa n'est pas mariachi, Juan. Le papa, c'est Emo, pas moi. Hé, mon vieux, je crains qu'on ne se soit pas bien compris. Qui était à l'accouchement? Hein? Qui s'est rongé les ongles par nervosité quand le petit allait naître? Hein? Qui a payé la facture? Toi, mon vieux, tu étais là, tu es le père, sinon qui d'autre? Comment va, monsieur Pedro? Ignacio. Ignacio, comment va monsieur Pedro? Mon papa est mort. Ah, mon ami Juanito, on dirait que tu es ma femme. S'il te plaît, pas de reproche, Juan, pas de reproche. D'accord, monsieur Pedro, mais vous ne comprenez pas. Vous devez faire plus attention à vous-même. Non, monsieur Pedro. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi vous me faites ça? Comment osez-vous mourir ce jour? Qu'en est mon petit-fils? Cette soirée est très importante pour moi.
Ce soir, je suis avec mes enfants. Avec mes petits-enfants. Avec la femme que moi j'aime. J'ai été un homme qui a fait beaucoup d'erreurs et beaucoup de fautes. Mais je dois avoir fait quelque chose de bien également, oui. Parce que Dieu m'a récompensé avec des choses merveilleuses, avec votre amour à vous tous. Ah, Seigneur, si je pouvais prendre une photo, une belle photo, une très belle image, là où vous êtes tous réunis, cette merveilleuse photographie porterait un nom. Cette photographie s'appellerait Bonheur. Parce que pour moi, ça c'est le vrai bonheur. Monsieur Pedro. Oh, Pedro. Oh, Pedro. Pedro. Pourquoi m'as-tu laissé triste et seule? Pourquoi? Tu n'es pas seule, Evangelina. Je ne vais pas te laisser. L'amour est plus fort que la mort. Oui. L'amour est plus fort que la mort. Donc toi aussi, tu peux m'entendre? Oh, tu étais si têtu, Pedro. Pourquoi? Oh, pourquoi n'as-tu pas pris soin de toi, Pedro? Oh, toute cette douleur en moi. Toute cette douleur que tu ne pourrais même pas imaginer. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire sans toi? Quoi? Je ne voulais pas passer par cette souffrance, non, Pedro, Pedro. Je ne voulais pas, non. Maman. Ma fille. Tu ne t'imagines pas comme ça fait mal. Il faut que tu ailles te reposer, maman. Oui, jeune femme. Va te reposer un peu. Bois un petit thé au tilleul. Oh, Pedro. Oui, jeune femme. Tu devrais te reposer et boire un petit thé au tilleul. Frijolito. Oh. Écoute-moi, ta mamie, tu l'appelles mamie, pas jeune femme. Tu as compris? Ah non, ma fille. Attends. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Ne pleure plus, ma belle mamie chérie. Ne pleure plus. L'amour est plus fort que la mort. Oh, tu as raison, mon chéri. Oh. Oui, tu as raison. L'amour est plus fort que la mort. Je t'aime tellement, Pedro. Oh, je t'aime tellement. Oh. Oh. Ne pleure plus, mamie chérie. Ne pleure plus. Ça fait déjà une semaine que Monsieur Pedro s'en est allé. Tu te rends compte à présent du vide dans cet endroit? Oui. Il y a de l'espace en trop. Il faut se rappeler que Monsieur Pedro occupait beaucoup de place. Il va tellement me manquer, Juan. Oui. Moi aussi, mon vieux. Encore plus maintenant que nous devons gérer ce restaurant. Margarita l'a demandé, ne la décevons pas. Oui. Heureusement que Madame Evangelina nous aide beaucoup. Oui. Parce que Rosita est bien occupée avec le bébé. Quoi? Tu es jaloux du bébé? Moi, jaloux? Jaloux pourquoi? Parce qu'elle l'aime plus que moi, que je dors 3 heures et que toutes les 2 heures, je dois aller changer les couches? Allons. Si j'ai bien compris, tu as dit « toutes les 2 heures, je dois changer ses couches ». Oui, tu Rosita. Changes les couches du petit? Oui, et Rosita aussi. Changer les couches n'est pas pour les hommes, hein? Et qui le fait? Eh bien, c'est... Ce n'est pas pour les hommes. Les couches, ce sont les mamans qui les changent. Oh, arrête, Juan. C'est idiot, ça, d'être macho. Il s'agit de Rosita et du bébé.
Je suis un homme. Je suis un époux et un père. Et un macho. Je suis un homme, aussi un époux et un père. Quelle désillusion, mon ami. Quelle désillusion. Mon gendre a subitement perdu son machisme et maintenant il change les couches avec une joie singulière. Quelle désillusion. Et tout ceci est bien enterré, mon vieux. Tout ton passé de macho. Je ne peux pas oublier les dernières paroles de papa. Que le bonheur est une belle photo. Cherchez-la. Trouvez-la, car ça en vaut la peine. Oui. Beaucoup de gens vivent et ne connaissent jamais le bonheur. Moi non plus, je ne le connais pas. Non, tu l'as, mais tu ne le vois pas. Et rien de plus. Ta belle photo du vrai bonheur est ici, dans cette maison. C'était le message de notre cher père. Papa a aimé, et on l'a aimé. Moi, j'aime. Mais seulement la personne que j'aime ne m'aime pas, Ignacio. Même si Margarita ne t'aime pas en tant que femme, elle t'aime bien. Tes filles t'aiment. Toi, tu aimes tes filles. Toi, tu as déjà ta photo. Moi, non. Oui, je l'ai parce que je l'ai cherchée. Et quand j'ai dit à Frigolito que j'étais son père, ma photo s'est complétée. Et toi aussi, tu sais, tu es sur cette photo. Ignacio, je veux te demander pardon. Je t'ai menti plusieurs fois. Le pire mensonge, c'est de t'avoir dit que j'étais le père de Frigolito. Car je savais que tu étais le père véritable. Tu as les billets avec toi? Oui, je les ai. Garde-les sur toi. Je ne veux rien laisser traîner à la maison, il vaudrait mieux que tu les gardes. Demain matin, nous partirons très tôt. Tu es bien sûr de vouloir faire ça? Écoute, quand tu l'auras tué, tu ne seras plus jamais la même. Ce soir, Gregorio, je vais le tuer. Est-ce que tu vas m'aider, oui ou non? Oui, tu as mon soutien moral. Mais je n'interviendrai pas. Tu dois faire attention. Ne t'en fais pas pour ça. Personne ne va me reconnaître. Et demain matin, nous pourrons tous les deux enterrer Ignacio près de la grande tombe de son cher papa. Tu vois? Ça, c'est une très bonne nouvelle. Tu ne sais pas combien j'ai souhaité la mort de Pedro. Tu ne peux pas imaginer. Dis-moi, où est-ce que tu vas lui tirer une balle? Dans la tête, comme tu l'avais planifié? Non. J'ai trouvé bien mieux. Je vais tuer Ignacio comme on a toujours tué tous les traîtres. D'une balle dans le dos. Margarita voulait que nous soyons tous les deux les pères de Frigolito. Elle voulait qu'il porte le nom des Reyes. Ainsi, tu le sais, si un jour il devait m'arriver quelque chose, tu sais ce que tu dois faire, hein? Pourquoi t'arriverait-il quelque chose? Bon, parce que personne ne peut acheter sa vie. Et si Dieu le veut, je vivrai beaucoup d'années. Je te propose d'être une espèce de... de paton. De paton? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça, paton? Moitié papa, moitié tonton. Ignacio, tu es le père du petit et il t'aime. Et je te remercie pour cet honneur. Mais ne m'ôte pas la satisfaction de gâter mon neveu chaque fois que je viendrai à Ciudad Esperanza. Chaque fois que tu viendras? Oui, Ignacio. Je pars d'ici, de Ciudad Esperanza. J'ai envie de refaire ma vie, très loin de tout ça. Je veux trouver la photo de mon bonheur, mais en dehors d'ici. Ce puzzle, pour moi, est un gros problème. Est-ce que tu sais où pourrait aller cette pièce-là? Voyons. Je ne sais pas, mais si on regarde bien, on va trouver. Peut-être ici et... voilà. C'est ça, non? Voilà. Bon, dis-moi, tu as faim?
Bon, alors va vite dans la salle de bain te laver tes petites mains. J'y vais. Que viens-tu faire ici? Ta maman est là. Je viens lui présenter mes condoléances pour la mort de son époux. Tu nous as emmenés tous les deux. Quoi? Tu les as emmenés? Quand t'as-t-il emmené, chérie? Il m'a emmenée et enfermée avec Alfredo. Toi? Tu as séquestré mon enfant? Oui, c'est que plus rien n'a de sens. Je ne veux plus vivre. Alors, avec une dose de ça, tu cesseras de souffrir. Prends ça. Arrête-toi maintenant, ça suffit! Lâche-moi! Éloigne-toi de chez moi! Et ne reviens plus jamais! Et si je te revois près de mon fils, je te jure, je te tue! Tu préférerais peut-être savoir pourquoi j'ai enlevé ton fils! Ça m'est égal! Il n'y a pas de raison pour un misérable comme toi! Je vais te dénoncer à la police! Et qu'est-ce que tu vas leur dire? Le petit est mineur, son témoignage n'a aucune valeur! Écoute-moi, Margarita. Si jamais tu me dénonces, tu vas mourir! De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Alors fais attention à toi. Mais tu n'aimes personne. Tu me dégoûtes. Moi, je ne joue pas, Margarita. Si jamais tu me dénonces, eh bien je tue ta mère. Pour qu'on l'enterre à côté de la boule de graisse. Respecte cet homme bien. Tu n'arrives même pas à la cheville de Monsieur Pedro. Si tu me dénonces, tu connaîtras l'enfer. Je te le jure. Tu vas bien, maman chérie? Est-ce que tu vas bien, dis-moi? Oui, mon chéri, ça va. Et toi, n'aie surtout pas peur de Gregorio. Je n'ai plus peur de Gregorio parce que... je sais que mon papa me défendra, et toi aussi, vous tous les deux. Oui, mon amour. C'est vrai que tous les deux, il nous défendra. Eh bien alors, ce que l'on doit faire, c'est trouver un ruban rouge et après le couper juste au milieu. Est-ce que c'est bien le milieu? Ah, que voulez-vous? Je suis occupée, David. Vous êtes occupée avec votre sorcellerie. Mais réveillez-vous. Oh, me donneriez-vous un ordre? Alors mettez-vous debout. Regardez ce que je fais. Avec ces formules, ces filtres d'amour que vous tirez de ce livre. Regardez ce que moi je fais de ce livre. Regardez bien, regardez bien. Non! N'ouvrez pas la bouche! Je peux dire quelque chose? Vous ne pouvez pas. Je crois en Dieu. Et pas en ce genre de bêtises. Quand vous m'avez arraché les poils de la poitrine, je vous ai demandé ce que vous faisiez et vous m'avez répondu. Oui, que ce n'était qu'une recette pour que la personne aimée ne soit pas infidèle. Sachez que si j'accepte de me marier avec vous, ce ne sera pas pour aller dans le lit d'une autre. Oui, mais figurez-vous que nous ne sommes pas encore mariés. D'accord, nous ne sommes pas encore mariés. Mais... Ah, nous ne sommes pas mariés. Donc, techniquement, je ne serai pas infidèle si... si j'ai... une histoire avec une autre... Écoutez, David. Si je vous trouve avec une amie ou avec une cousine ou avec n'importe quelle autre chose qui ressemble à une femme... Vous m'avez bien comprise, Oui, je pense que je l'imagine bien.
Oh. Qu'il est facile de manipuler un homme avec une paire de ciseaux, mon Dieu. Où en étais-je alors? Nous avions un ruban rouge et nous devions le couper au milieu. Pourquoi tu pleures comme ça, mamie? Parce que je ne veux pas me séparer de toi. Tu savais que ton papa, il voulait quitter cette ville avec toi et ta petite sœur. Non, je ne le savais pas. Et toi, tu ne viendrais pas avec nous? Non, mais je veux rester près de toi. Je veux être avec toi. Tu sais, ta mamie mourra si elle n'est pas près de toi. Il ne veut pas m'emmener. Je veux être près de toi. Pourquoi tu ne viens pas vivre avec nous, mamie chérie? Eh bien, parce qu'il ne souhaite pas m'emmener, ma chérie. Ne le lui dis pas, mais il ne veut pas m'emmener alors que je veux être avec toi. Ça va aller. Ne pleure pas, ma chérie. Ne pleure pas vraiment. Ne sois pas malheureuse. Ce qui se passe, c'est que si je ne suis pas avec toi, je vais mourir. Bon, ça suffit. Moi, je ne veux pas. Ça suffit, allons, ça suffit, voilà. Arrête. Nous ne devons pas pleurer. Nous devons être fortes. Ne pleure pas, ma chérie. Nous devons être fortes et ne pleurer devant personne. Tu as compris? Ils veulent me séparer de toi. Non, mamie chérie. Je ne veux pas partir avec mon papa. Je veux rester toujours avec toi. C'est vraiment ce que tu veux, Daniela? Oui, mamie chérie, je veux rester. Oh, ma chérie, ça c'est ma petite fille. Ça c'est mon amour. Comme ça, mamie ne va pas mourir. Voilà. Pourquoi est-ce que tu veux que Temo voie le bébé? Parce que c'est son père et qu'il n'a pas vu son fils. Mais il sait très bien où je suis. Et en plus, Temo est parti à la capitale il y a une semaine. Mon ami, mon ami, j'espère que tu as suivi au pied de la lettre la recette d'Evangelina. Car vous, comme cuisinier... Ouh, cela me fait peur. Bon, ne parlons pas fort, on va le réveiller. Non. Rosita, Temo n'est pas encore parti. Je l'ai vu au marché. Il n'est pas parti? Mais ça m'est bien égal. C'est mon bébé. C'est mon enfant. Tu sais ce qu'il voulait faire à ce paquet? C'est comme ça qu'il appelait le bébé. Un paquet. Bon, mais moi, ça m'est égal. Temo est le papa, oui. Donne-lui la chance de se rattraper. C'est d'accord. S'il veut voir son fils, qu'il vienne. Mais moi, je ne bougerai même pas mon petit doigt. Avant qu'il s'en aille, j'ai pu comprendre mon père. Mais au fait, excuse-moi, je n'ai pas frappé, tu avais laissé la porte ouverte. Ah, c'est que je suis très distraite. Il y a beaucoup de choses tout d'un coup. Oui. Oui, en effet, beaucoup de choses. Et à cause de toutes ces choses, j'ai pensé que... ce serait bien de quitter Ciudad Esperanza. Tu veux partir? Non. Je m'en vais car je ne peux pas cesser de t'aimer, Margarita. Temo? Qu'est-ce que tu veux? Quand vas-tu aller voir ton fils? Jamais. Pourquoi est-ce que tu me déranges là? Parce que c'est ton fils, Temo. Ce n'est pas de sa faute si son père est un idiot et sa mère une jeune fille têtue. Alors là, vraiment, je te comprends pas. Écoute, Temo, toi, tu m'es égal. Mais pas ton fils. Je ne veux pas qu'il grandisse sans connaître son père. Ça fait très mal de commencer sa vie sans le connaître. Je n'ai pas connu mon père et je me porte très bien. C'est pour ça que tu veux faire la même chose à ton fils. Non. Non, je ne veux pas. Oui, tu as raison. C'est vrai. Ça m'a fait mal de ne pas le connaître.
Je ne t'aime pas, Temo, mais tu es son père. Moi, je veux que tu le vois. Au cas où un jour il demande, je lui dirai que son père l'a bercé. Si tu me payes, j'y vais tout de suite et je joue au bon papa. Combien est-ce que tu as ? Tu es un imbécile. Je ne vais pas te payer, idiot. Tu n'as donc pas de conscience. Merci, David. Entrez, monsieur. Je voulais vous demander un conseil. Un conseil ? Un conseil de ma part ? Oui. Et David, je ne suis pas sûr d'être un expert pour que tu me demandes des conseils. C'est au sujet des femmes, monsieur. C'est vrai que vous ne connaissez rien à la vie, mais en médecine et en femmes, oui. Ah, que veux-tu, David ? Dites-moi, comment convaincre Adelita que je suis fidèle ? Tu lui dis « je suis un homme fidèle ». Elle ne me croit pas. Elle fait de la sorcellerie. Elle croit que j'ai d'autres femmes et elle me questionne et me questionne et me re-questionne. Bah, si elle ne te croit pas, trouve-toi donc une femme qui ne te pose pas de questions. C'est là mon meilleur conseil. Une femme qui ne me pose pas de questions. David ! Non, Adelita. Je n'ai pas d'autres femmes. Et arrêtez maintenant avec vos questions, s'il vous plaît. Oups. Excusez-moi, l'aspirateur est tombé sur vos pieds. Je cherche une femme qui ne pose pas de questions et qui n'est pas d'aspirateur. Chantal, j'en ai assez de tes menaces. Je ne comprends pas ton obstination et cette stupidité. Je t'ai menacée parce que tu m'as méprisée et parce que tu m'as insultée en me traitant de folle. Oui, tu as raison, je t'ai traitée de folle. Et surtout, je comprends bien que quoi que je puisse faire, tu me détesteras toujours. Je ne te déteste pas. Je déteste juste cette Cendrillon. Car par sa faute, tu ne t'es pas mariée avec moi. Et pourquoi as-tu séquestré mon fils ? Mais parce que j'étais désespérée. Penses-tu pouvoir imaginer ce que je ressens ? T'es-tu déjà mis une seule fois à ma place ? Oh non, je ne pourrais pas me mettre à ta place. Et si tu me hais, pourquoi est-ce que tu voulais te marier avec moi ? Mais parce que tu étais une bonne affaire. Tu as de l'argent, un nom, une situation. Dis-moi quelle femme aimerait perdre une bonne affaire comme toi ? Tu es venu ? Le voilà, Temo. Pourquoi es-tu venu, Temo ? Pour voir le paquet. Tu vois que c'est inutile. Je n'aurais pas dû venir. Au revoir. Rosita, donne-lui une chance. Ne me parle pas, Vicente. Ne dis pas un mot. Que vas-tu faire sans cette si bonne affaire ? La vérité ne te fait pas mal. Non. C'est vrai que ça me fait un peu mal d'avoir été un idiot. À un moment, j'ai pensé. J'ai cru avoir été un peu amoureux de toi. Mais tu n'as jamais été amoureux de moi. C'est possible. La vérité, c'est que j'ai rencontré l'amour quand j'ai connu Margarita. D'accord. Et alors, qu'en est-il de ce jeu ? Ah non, il n'y a plus de jeu. Tu vas devoir quitter cette maison. Margarita et moi, nous allons nous marier et nous allons vivre ici. Je dois le faire tout de suite ou tu me laisses le temps de préparer mes affaires et aussi celles de ma mère. Je ne t'ai pas demandé de partir en courant. Mais je veux que tu quittes cette maison. Tu ne te marieras jamais avec cette ordure. Ah, Evita, bonjour ma belle Evita, quelle belle journée aujourd'hui, n'est-ce pas ?
Bon, allez, maintenant, revenons un peu à nos moutons. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Eh bien, dans cette boîte, il y a tout un tas de choses que le vieil ivrogne a laissées chez moi depuis pas mal de temps. Maintenant qu'il est allé au diable, j'ai pensé que tu pourrais les laisser à la veuve. Tu sais quoi, Gregorio? Retourne chez toi. Oh! Très bien. Alors j'oublie ça. Autre chose. Écoute, vieil ivrogne. Nous allons trinquer ensemble avec de la bonne tequila pendant que tu pourris en enfer. Ha! Et toi d'abord? Santé, Gregorio. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, Gregorio, tu as tiré le bon numéro pour gagner la pire raclée de ta vie. Tiens, mon vieux. Ça, c'est pour être mal élevé. Prends. Et ça, c'est pour Monsieur Pedro. Et ça, c'est pour le plaisir. Et ça, c'est pour Vicente. Et ça, c'est pour... Je n'ai jamais vu personne donner autant de coups aussi vite, Juan. Quelle raclée! Non, non, et heureusement que tu me l'as retiré, sinon je l'aurais roué de coups de pied. Oui, c'est vrai. Ah. Oui, c'est terrible, hein. Écoute, qu'est-ce qu'on fait de la caisse? Je crois qu'on va les apporter à sa veuve. Ce sont les choses de Monsieur Pedro. Tu peux les lui apporter? Mais regardez bien qui voilà! Papy, tu es revenu? Comment tu as fait? Oh, je ne suis jamais parti. Je serai toujours près de toi et de Frijolito. Et aussi de Dulce et de Daniela. Alors, papy, tu es un ange? Mm-hmm. Tu vois, moi, je suis l'ange gardien de tous mes petits-enfants. Mais qu'est-ce qui ne te plaît pas? Dis-moi, tu peux pas être mon petit ange seulement que pour moi, papy chéri? Juan! Ah! Oh, pardon de te réveiller. Ce qui se passe, c'est qu'on était en train de balayer, voilà. J'étais là-bas au ciel avec mon papy. Mon papy est un ange. Et je l'ai vu me parler. Ah, quelle imagination, ces enfants. Monsieur Pedro, un ange. Oui, je vais raconter tout ça aussi à Frijolito. Imagine-toi, mon vieux. Monsieur Pedro en ange. Imagine les ailes qu'il doit avoir pour le porter. Ou alors peut-être en chérubin, comme ça, tout petit. Juan, ne te moque pas. D'accord. Qu'est-ce qui t'arrive, mon cœur? Pourquoi tu es triste? Parce que tu veux t'en aller, papa. Et qui t'a dit tout ça? Mamie t'a entendu parler avec l'oncle Nacho. Et elle m'a dit, tu sais, que tu ne voulais pas qu'elle vienne avec nous. Daniela. Il y a des fois où papa doit prendre des décisions seul. Papa. Dis-moi, ma chérie. C'est que je ne veux pas laisser mamie toute seule. Non, je ne suis pas nerveuse. Pourquoi tu dis que je suis nerveuse?
Tu as essuyé cette assiette 10 fois, Adela. Quoi, 10 fois? Mais oui, au moins, tu as bien vu la pile d'assiettes que tu as là. Oui, je suis très nerveuse. Ah, mon Dieu, je suis folle, je suis hystérique. Mais pourquoi? Que se passe-t-il? Eh bien, je vais me marier. Il se passe que David m'est fidèle et je ne peux plus annuler le mariage. Il se passe que je n'en ai aucune idée. Comment ça, annuler le mariage? Oui, non, je ne sais pas. C'est que hier j'avais un fiancé et demain je dois déjà me marier. Marie-toi et voilà, Adela. Quoi, tu voudrais être une vieille fille toute ta vie? Non, s'il te plaît, ne dis pas de telles choses. Oh mon Dieu, ce que j'ai peur. Est-ce que tu peux t'imaginer dormir pendant toutes les nuits de ta vie, dormir avec quelqu'un et que ce quelqu'un soit toujours la même personne? Non, je n'en ai aucune idée. Et toi? Non, moi non plus. C'est pour ça que ça m'inquiète. Quoi? Pourquoi est-ce que tu me regardes? Parce que tu as les joues toutes rouges. Eh bien alors? Bien, rien. C'est que je ne t'avais jamais vu les joues aussi rouges. C'est bizarre. Tu es enfin indisposée. Non, et en plus, ce mois-ci, j'ai du retard. Non, n'y pense pas, Adela. Il ne s'est rien passé. Jamais. Comment ça va, Frijolito? Moi, ça va très bien, papa. Ah, ça sent le brûlé. Qu'est-ce qu'il y a dans le four? Et toi, reste tranquille. Les cuisiniers ce soir, c'est le champion et moi. Pas vrai, mon garçon? Oui, papa. Bon. Allons, dis-le encore. Que je dise quoi? Ce que tu viens de dire. Je veux que toujours, toujours, tu m'appelles papa. 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 Mais pourquoi est-ce que je dois te dire plusieurs fois papa? Cette boîte était dans la maison de Gregorio. Cette boîte n'est pas du tout à moi. Et je veux qu'elle te revienne. Vous êtes sûre, Madame Evangelina? Oui, c'est ce qu'il aurait voulu. Regardez cette lettre. Qu'est-ce que c'est? D'après la date, on voit qu'il avait écrit le jour où il est parti, quand vous étiez encore enfant. Ah, je suppose qu'il n'a pas pu vous la remettre. Et elle vous est adressée. Mes chers enfants, papa vous aime. Peu importe ce que vous direz de lui, peu importe ce qui arrivera, papa vous aime. Peu importe si un jour, dans beaucoup, beaucoup de temps, on se retrouve et que vous êtes fâchés contre moi. Parce que papa vous aime. Une seule chose est importante. Papa vous aime. Et il vous aimera toujours. Avec amour. Papa. Thank you.
Très bien, champion. Toi, tu es un vrai cuisinier. Toi aussi, papa. Pardon de déranger les petits cuisiniers de cette maison, mais je peux mettre la table pour dîner? Non! Oh, mais comme ils me font peur, ces hommes si courageux. Champion, ta maman se moque de nous, je rêve? Je crois que oui. Hey. Le poulet est en train de brûler. Ah! Ah. 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 Dieu. Ah. Mais qu'est-ce que nous allons manger ce soir? Le responsable du repas, c'est moi, alors je vais sortir. Je vais chercher... Où vas-tu? Je vais trouver une solution au problème. Qui est-ce qui veut une pizza, des crêpes, du fromage? Moi j'en veux! Et de la pizza! Et des crêpes! Et du fromage! Très bien, parfait, la commande est passée! Le poulet a brûlé. Ignacio! Ignacio! Tu oubliais ça, mon ange. Bien sûr, quel idiot. Imagine-toi la tête que j'aurais faite en arrivant sans mon portefeuille pour payer l'addition. J'ai l'esprit ailleurs depuis que je t'ai rencontré. Pourquoi? Parce que je pense seulement à Margarita et rien qu'à Margarita. Tout ce que je fais et ce que je dis et ce que je vois me rappelle toi. Idiot. Je t'aime. Bon, va-t'en parce que sinon Frigolito va commencer à crier famine. Oui, et moi aussi. Allez. Margarita. Mouah. Ignacio, mais qu'est-ce qu'il y a, Ignacio?